Hello les amis. Alors aujourd'hui, nous voici à Noisy, le Grand Monde Est, un spot sur lequel je n'ai pas été depuis au moins 3-4 ans. Et je suis pas tout seul, puisque je me retrouve aujourd'hui avec la légendaire Flore. Salut. Et là. Mais tout d'abord, échauffement, c'est parti. Yes. C'est marrant parce que moi en fait quand je m'entraîne en parcours je suis très dans le statique. Je fais pas beaucoup de flow, je cours pas trop. Et Flore en fait c'est tout l'inverse. À chaque fois qu'il y a un spot, elle essaye de faire un run. Du coup c'est bien qu'elle m'influence un peu, ça me fait travailler mon flow. Donc merci Flore. Avec plaisir. Je vais me mettre en dessous. Bien ça. Yes. Nickel. Tellement beau. Détends que t'as toi. Ça va. C'est pas pire. Regarde. Boum, boum, boum. Putain! Ah! Oh, je suis flippé! Il passe ta faut que je fasse. Yep! Ok. J'ai. 1, 2, 3. Yes! On va l'enchaîner? Allez! Dommage! Tellement trop poussé! Putain, mes lunettes, ils ont fait ça, je n'ai rien vu venir. Voilà, pas mal ça. Ah ouais, ah ouais, c'est l'entraînement. À la télévision, il y en a qui font vraiment des... Ah, ils font ça de très haut, ah oui, complètement. D'un toit à un autre. C'est incroyable. Je croyais d'abord, dans un premier temps, que c'était de la féerie, quoi. Ouais. Et puis non. Vous pensez qu'ils sont un peu inconscients de ce tais-toi en toi, comme ça? C'est l'être humain. Il a besoin toujours de prouver qu'il peut faire encore mieux, encore plus loin, encore plus loin. C'est pas de l'inconscience, mais c'est de se dire, je peux le faire. C'est des challenges, quoi. Ouais, voilà, des défis de soi. C'est exactement ça. Bon, écoutez, excellente journée à vous. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Et un bon week-end. Fille proposée par Flore, c'est petit passement par là. Et chaperesse par là-bas. Mais le challenge, c'est de pas arriver trop loin là. Sinon, bah, plus d'élan pour le chaperesse, quoi. Bon, déjà, premier repérage. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il faut arriver... faut pas arriver loin du tout, ouais. Oh là là. Je pense que t'avances trop ici. T'as pas assez d'élan. Et du coup, t'as pas le temps de t'aviser où tu vas. Allez. Youi. Bravo. Bon ça, bien joué. Yes. Non. Ok, c'est parti. Ouah. Yes. Bon ça, tu m'as motivé. Yes. Ok. 1, 2, 3. Ouah ça. Ouh. Il faut pas tomber quand même. 1, 2, 1, 2, 3. Je me suis pris la broche, T'as fait quoi? Mais tu as pris la broche? Non. Je te jure. Ah merde. Et après t'as fait la cuisse comment? Mais après ça m'a déstabilisé. Ah merde, ok. Ah ouais, oh, mais meuf tu saignes. Non c'est une éraflure, ça, ça va aller. 2, 3. Oh putain. 3. Wouh! Tac, ah, j'ai eu. Reste plus qu'à. Hein? Ça m'a épuisé toute mon énergie là. Parce qu'en short, j'ai toujours mal. Le parcours c'est dangereux.
Surtout quand tu te prends des branches dans l'œil, tu vois. Là, ça devient dangereux. C'est un équilibre, et voilà. C'est une lunette de soleil, ça. C'est une lunette de soleil, franchement, ça m'a, tu vois, ça a fait vibrer les lunettes de soleil. Ça fait... On a s'aimé. Mais au moins, tu t'es bien rattrapé. Il y a pas. Oui, allez, allez, oui. Allez. Yes. Tout ça sur les vues. Je suis en position guerrière. Parfait, c'est bien. Bon les amis, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai changé en fait tous mes vêtements parce que il faisait chaud, du coup transpiration tout ça, vous connaissez les bails. Yes, shine. C'est bon ça. Du coup l'idée c'est vraiment sauter. Voilà, allez, tiens presque. Et utilise bien les mains jusqu'au bout. C'est un gros saut en extension, c'est... Sauf qu'au lieu de rester sur place, tu vas vers l'avant. Yes. Parfait. Voilà. Ah bah, c'est parfait. Tu fais ça encore 10 fois. Une fois que tu le sens bien, bah, tu recommences là. Yes. T'as vu où t'arrives là? Ça veut dire que t'as tout ça de marge. En presse, de base, normalement tu mets que le coussinet ici. Et toi, t'arrives plus loin. Donc ça veut dire que t'as encore 10 cm de marge. Donc, tu l'as. Techniquement, tu l'as. Mais si tu veux prendre un peu plus de marge, là où t'es parti, eh ben, tu recules d'un demi-pas. Il y a deux solutions. Soit tu fais ça, presse. Soit tu gardes la même ligne, quand tu montes. Si tu montes, c'est plus dur. Ça veut dire que celui-là, pitcha. Coupe de nos. C'est la même chose que là-bas, sauf qu'il y a un trou. Si t'as peur de te faire mal, tu te feras mal parce que t'as peur. Ça veut dire que tu n'iras pas à fond dans ton mouvement. Donc il faut vraiment que tu ailles à 100%. Yes. Parfait. Yes. Pas mal, beaucoup beaucoup mieux. Ouh! Yes! Oui! Oh la meuf! La question, c'est pas d'aller là-bas, ça c'est facile, mais le retour. Ah putain, la meuf, elle va se mouiller! Ninja Warrior, est-ce que tu vas tomber dans l'eau? Attends, attends, je te rejoins, meuf! Ah ouais! Ouh! Tranquille! Tranquille! C'est vrai, il y a un autre défi. Vas-y. Précision et stabilisation. Et on est obligé de le faire à deux. 1, 2, 3. Moi, j'ai dit. J'essaie d'aller un pied là-haut. Cours. C'est pas mal. Là, on est sur un toit. Cool, hein? Putain. C'est beau. À fond, on va aller par, par là. Ouais. Regarde ta blessure. Je vais ta blessure.